Avec quoi vos bagnoles, vous travaillez? Salut. Oui. On fait la manche. On fait des conneries. Des spectacles de rue, ouais. Mais des spectacles de rue. Ah, vous avez pas vu, on a installé une petite scène derrière pour faire un concert. On va faire une crémaillère de pendaison, là. Si, vous l'avez mise? Ouais, ouais, bah viens voir, viens voir. Eh putain. Eh, venez voir, hein. Je vais voir ça, ouais. Ah, cette nuit, avec Olive et Nicolas, on est allé chercher tous les matériaux, on a monté la scène. Eh ben, nickel. Eh ben... Ah, du coup, il y a le petit coin concert de ce côté-là. Oui. Et de l'autre côté, il y a le mur de son. Comme ça, on peut se mettre la tête dans le caisson et s'endormir plein de cocaïne. Ouais, putain, c'est incroyable. Ah ouais, c'est un délire. Allez, donc, c'est propre. Ouais, bah oui, oui. Ça va, Léon? Oui, ça va et toi? Ouais, nickel. Eh, hey, ça vous dit pas, on se pose à l'intérieur deux minutes? Si, un peu, ouais. Si vous voulez, oui. Oh, moi, je crève de froid, ouais. Putain. Ah, c'est la Hanoui. Vas-y, allez-y. Merci. C'est cosy, c'est cosy. Ah oui, c'est très cosy, oui. Ouais, c'est cosy, hein. T'as encore une salle de musique de l'autre côté? Ah, c'est la salle de répète, ouais, pour les petits gars qui viennent répéter. On a des gars qui viennent de partout, des quartiers sud. On a même un gars là, il vient de je sais plus où, de Hollande. Là, il est assis de flac là. Il va venir faire un DJ set. Ah on oui. a des petits gars des AOD aussi, ils viennent pour répéter leur musique de rock. On a le cas de chez les Verts là qui vient aussi. Les Verts. Hop, c'est petit. Salut. Hey, y'a du monde là. Hey, salut Nyok. Vous m'avez réveillé. J'ai pas vu que quelqu'un dormait ici. Eh, salut Olive. Salut, ça va. Ouais, faites pas gaffe à Nicolas qui dort dans le panier du chien, il a échangé son lit avec Au Secours. Ah. Au Secours, c'est le clébard. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si on se connaît, non je crois pas. Non, non, je pense pas. Non, je ne crois pas, non. Non, c'est des gars du Life. Alors, je suis chez Life. Ah, moi toujours pas. Nina, pas du tout. Toujours pas. Ah ouais, fais quoi toi? Tu fais quoi? Ouais, je travaille au UMU. Enfin, travailler en gros guillemets quoi. Ah ouais? Parce que j'y suis jamais. Ah ouais? Oh bah c'est pratique ça. Et surtout que nous on va quasiment plus y aller, ils font plus d'alcool. Ah oui, j'ai vu ça passer. Ah bah ouais. Plus d'alcool? Ouais. Bah ouais, c'est nul, c'est sans alcool. Ah oui. Maintenant faut aller au karting. Du coup, faire du kart bourré quoi. Je sais pas, j'ai pas touché un kart depuis que je suis arrivé en ville. Attendez, c'est le kart qui vend de l'alcool et pas le restaurant? Ouais. Ouais, ouais, c'est oui, ils vendent plus d'alcool. Parce qu'il y a un bar au karting, c'est pour ça. Ah oui, il y a autant de logique qu'il y a d'ordre dans cette pièce. Du coup, c'est super logique. C'est très ordonné. C'est très bien ici. Bah ouais, c'est très ordonné, le chaos est ordonné. Oh. Ils vous ont fait visiter là-bas ou pas, les gars? Ouais, je leur ai montré la scène. Que je pense qu'il va falloir qu'on fasse appel à vous. En gros, on veut faire un truc, là. Je pense qu'il faudra faire des annonces. Ah oui, alors, si... Ouais, si vous voulez faire quelque chose avec Life, appelez un collègue. Ah ouais? Là, t'es pas. Oui. T'as la flemme. Ah, on va appeler John Fitzgerald Margoulin, là. On a douillé hier soir, c'était marrant. Ok, ouais, on va faire ça. Voilà. Parle bien. Oui. Donc, tu veux un flingue? Non, j'ai pas dit que je voulais un flingue. Oui, est-ce que je peux vous rappeler un peu plus tard, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Au revoir. J'ai pas dit que je voulais un flingue, j'ai dit que si je venais à perdre celui que j'avais avec un PPA, est-ce que vous pourriez me vendre un flingue? Ça dépend. Ah, disons que tout se trouve dans la ville, faut y mettre le prix, c'est tout. Me doute. À tout à l'heure, les gars, j'étais venu chercher mon sac. Ouais, à tout à l'heure. Hein? Chaud. Là, tu sais, bon... Tout se trouve, ouais. Tout se menaille. Après, je me doute bien. Comment te dire, ouais, tu débarques comme une fleur avec ta pote.
En disant t'es journaliste, en nous disant juste ouais, j'aime pas travailler, ouais, tout ça, machin, je vais faire des petites affaires. Bonne soirée. Au revoir. Il nous dit t'es pas un infiltré ou un truc du genre, quoi. Oui, ça se comprend. Bah, en attendant, c'est Larry qui nous a un peu invité à venir vous voir. Donc. Mais Larry, c'est pas le chef. Ouais, puis de toute façon, on invite tout le monde à venir nous voir. Oui, histoire de boire une bière. Tout le monde est bienvenu, à part les flics et le gouvernement. Oui, c'est l'auberge espagnole ici. L'auberge quoi? Je suis pas espagnol, moi. Oh. Je suis serbe, connard. Expression. Oui, c'est une expression, c'est une expression. Donc, quoi, tout le monde est bienvenu, quoi. Soit dit en passant. Oui, ça c'est vrai. Et alors, si c'est pas vous, Larry, le chef, qui est-ce? On peut le décider de suite, mais bon... On peut le décider de suite, mais je suis pas sûr que la suite va vous plaire. Après, ça sera malentendu, vous pouvez devenir le chef. Oui. De la journée. Ça aussi, la mutinerie. Ah ouais, ça aussi, la mutinerie. Même pour la journée, ça explique pas la mutinerie pour la journée? Non, mais les chefs, nous, c'est journalier, hein. Ah oui. Ouais, ça parce peut être Larry, ça peut être Bois, ça peut être Léo, ça peut être n'importe qui. Ouais, la dernière fois, c'était le chien, le chef. C'est lui qui a gagné. Ah, il y a un concours? Ouais, c'est un concours de pain. D'accord. Pas de boulangerie. C'est-à-dire que vous décidez ça au duel à main nue? Non, c'est pas un duel. Ouais, c'est pas un duel. Ah, c'est pas un duel. Ah non, c'est pas vraiment un duel. Et ça, c'est pour les gentlemen, le duel. Ah ouais, non, nous, c'est le dernier qui est debout, hein. On s'emmerde d'accord. Pas, hein. C'est peu importe où on est et comment ça se passe, hein. Ouais, c'est un parfait club, quoi. Bah, la dernière fois que les flics, ils ont voulu savoir qui c'était le chef, c'est un AOD qui a gagné. Ah oui. Oui, rien à voir, quoi, du coup. Ouais, bah, c'est comme ça. Ah oui, bah, ouais. D'accord. Ou alors du coup, admettons que tu veuilles un flingue et qu'on est disposé à t'enfiler un. Mais oui. Il va falloir nous donner une preuve que t'es pas un envoyé du Gouv ou que tu travailles pas pour la CIA ou un truc du genre. Ouais. D'accord. Alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous ramener des choses. Ouais. Des choses que je trouverai dans la rue, selon ce que je croise. Ouais. Ça peut être, si ça vous intéresse, ça peut être de la cam, des sacs volés dans un magasin, ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant, ça, ouais. Ouais, bah ouais. Bien. Là, on cause. Là, on discute, ouais. Très bien. Combien vous me rachetez un sac issu d'un braquage, si je vous le ramène? $50. D'accord. Et je suppose que si c'est de la drogue, ça dépend de la valeur. Enfin, ça dépend du produit. Ouais. Très bien. Écoute, est-ce que vous avez... Bien. Oui, je vais... Si vous le voulez bien, prendre un ou des numéros. Ou alors je me pointe ici, sans numéro. Ah bah écoute, donne-nous ton numéro et puis on t'envoie tous un message. Très bien. Vous allez, si vous le voulez bien, prendre celui de Nina également. Oui. Ah. $41.53 pour moi. Okay. Un appel quoi en même temps. 41-53. Un truc qu'il faut que j'aimerais bien savoir. Oui. Comment ça se fait que vous vouliez faire des petites affaires en dehors des entreprises? Parce qu'on se fait chier. Oui. Ah bah ouais, le travail c'est pas trop la santé, hein. Elle faisait d'adrénaline comme dit. Bah c'est peut-être mieux que tourner en rond à rien faire quoi. Ah nous on aime bien tourner en rond et rien faire. Oui enfin bon si bah moi c'est on en pour, fait mais on se porte, hein. Oui c'est sûr. Hop. Et le numéro de ton pote c'est quoi? Alors,
c'est 2304. Et son prénom ? Ézéchiel. Oui. Si vous donnez ton numéro. C'est d'âge. Super, merci. Ok. Bon, eh bien, parfait. Eh bien, écoute, apporte-nous des petits trucs, des petits machins, prouve-nous que t'es réglo, et puis peut-être qu'on pourra te trouver des trucs, ouais. Eh ben, on se dit à bientôt. Et ça marche. Et salut. Au revoir. Non. On se retrouve... Ma merde là, je sais pas où. Ouais, on se retrouve. Il est en face là. Ah, oui. On se retrouve. Faut prendre un masque, non? Faut que je prenne un masque. Oh, on se retrouve au garage à côté de Life. Je vais poser la camionnette. Ok. Et bonsoir le chat, comment ça va? Bonsoir, c'est un stream pas du tout prévu. Bonsoir. Ça va. Je suis fatiguée, mais ça va. J'ai hyper froid, en tout cas, sachez-le. J'ai froid comme Jaja. Je t'envoie une photo de la cheminée si tu veux, connard. Bannez-le. Coucou, il a. Attends, je vais ressortir de l'autre côté pour sortir okay. Ma voiture du garage. Ça marche. Oui, 100% elle confirme. Merci Thomas pour ton 17e mois. Merci beaucoup, comment vas-tu? Non, moi, elle va dormir devant, elle aura bien chaud. C'est vrai, j'ai hâte. Ça va être trop bien. Bah ça va. Si froid. Alors, je vais sortir ma last book et au garage qui est juste un peu à côté de l'autre côté de la rue là. En face là, sur le truc en haut là. Le petit garage surélevé, ouais c'est ça. Ouais. Je vais sortir la last book, je vais aller la revendre, je vais acheter une voiture. On va pas faire ça en last book et on va pas faire ça en van le life. Bon, on est bien d'accord. Oui.
Je pense que ça va me faire 50 000 balles à peu près. Oui, je pense. Ça devrait suffire à acheter une caisse. En plus, là, j'ai 3 jours de repos. Parce que mercredi, c'est férié. Let's go. J'ai bien hâte. Mais demain matin, RDV prise de sang. Parce que la maladie n'attend pas. Mais j'ai bien hâte. On va bien profiter. On va profiter comme Jaja. J'aime pas les prises de sang, ça m'angoisse. C'est fou. Et puis je suis sûre qu'on va me sortir le truc du... Mais vous êtes tatoué? Pourquoi avez-vous peur des aiguilles? Peut-être parce qu'en fait, ton aiguille, elle est 15 fois plus grosse que l'aiguille d'une... d'un truc de tatoueur. Hein? Et que mon tatoueur, il me prend pas, je sais pas combien de litres de sang. Hein? Mon ref. C'est pourquoi j'ai du respect. Oh oui, tu peux, tu m'as répondu à plein de questions, alors je vais faire de même à 50 balles. Oui, je suppose aussi. C'est lourd, hein. Ouais. Je n'en ai aucune idée. Comment ça va, CJ? Aucune idée, aucune idée. Mais là, j'étais parti pour aller m'acheter une voiture. Et je me demandais, monsieur Spada, s'il y avait une éventualité où tu pourrais me prêter de l'argent. Ah bah non, je parle à quelqu'un merci qui de n'est motivé pour le que raid. Par l'argent et qui devrait trouver un intérêt dans le fait de prêter de l'argent et de le récupérer avec des intérêts. Bonjour à tous, j'ai faim mais j'ai que du sucré, je fais grave. Je sais pas, bidon, je vais alors vendre lasbou et voir combien j'ai et voir ce que je peux m'acheter, enfin ce que j'aimerais m'acheter. Ouais, je sais. Je crois que j'ai à peu près 45 000 balles. Là, ça va faire 52 000 environ. Je vais voir. Ouais, je vais voir ce qu'il y a. Non. Allez, à 55 la rapide GT. Bon, je vais regarder ça. Oh, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, je tiens au courant. À plus tard. Au revoir. Faut que j'aille derrière pour vendre la voiture. Oui, c'est ça. Ok. On se retrouve à l'intérieur ? Oui. Et bah, à tout de suite. Ça risque de partir sur une rapide GT classique. Oh. Alors. Je crois que ça a fait boum. Comment ? Il y a un truc qui a fait boum. Je sais pas ce que c'est. Ah. Ok. Attends, parce que j'ai des problèmes avec ça. Ouais, c'est complètement cassé.
Oui, c'est très cassé. Ah. Hop. Et c'est un enfer. J'arrive pas à circuler comme je veux. Ok, là c'est bon. Toc. Alors. J'arrive, hein. Ah, comment ça, j'ai pas assez d'argent? Ah, ah ouais? Attends. T'as un truc pour tirer juste à côté. Hein. Ah mais il faut avoir l'argent sur soi? Je sais pas, je sais pas. Dans le doute, t'as le truc, t'as le distributeur juste là. Ça. Ah oui. Putain, mais Charova, là, ton truc là, c'est quoi? Ah, non, il me manque 1000 balles. Ah merde! Ouais, mais. Ah bah attends, je peux te donner moi. Non, 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 parce que si je suis à zéro, comment je mets de l'essence, comment je fais tout ça, tu ah vois. Oui. Bah toi, je sais pas combien j'ai moi. Bah regarde. J'ai 9556. Ok. Alors. Tu veux que je te donne 3000 balles? Non, mais il faut qu'on aille à la banque. Il faut que ce soit sur mon compte. Ah oui. Viens, on va passer. Ça, comment je. Attends, je. Oui. Ah non, c'est bon. C'est ok. Échappe-toi, échappe-toi. Oui, ouais. Oui. Allons à... Ouais, à la place centrale. Oui, oui, bah oui, tant qu'à faire. Et voilà. Parfait. Et bah... Hop. Déjà, combien j'ai dans les poches? 700 balles, oui, ça fait pas lourd. Eh ben écoute, si tu peux retirer 5000 et me les donner. Mmh, oui, hop. Alors. Hop là. Touk touk touk. Touk touk touk. Et voilà. Parfait, merci. Je te rendrai ça. Hop. Allez, allons-y. C'est vraiment de la merde, cette voiture. Ah oui, oui, oui. Après ça, bah écoute, on va t'acheter un masque. Ouais. Et puis on va essayer pas d'aller taper quelqu'un. Après, faut pas se tromper de personne, quoi. Pas mon problème. Ah d'accord. Ah. Oui, docteur Pablo. Oui, allô? Oui, c'est monsieur Ezekiel. Oui, j'ai votre numéro. Bonsoir, docteur Pablo. Oui, mais pas ce soir. Oh, je préférerais que vous passiez par quelqu'un d'autre. Il y a pas mal de monde, dont des responsables là, qui sont au bureau.
N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Pas de problème, docteur Pablo. Bonne soirée à vous. Au revoir. Le travail. Eh oui. Buck, Jack, ok. Et il m'a envoyé toute une avec tous les numéros. Hein. Ah oui. Oui. C'est bon. Ah, nickel. Tu ranges ta lasbou? Ouais, je vais faire ça. Bah, allez. Putain. Ah bah nickel. Oui. On a dit les masques. Oui. Alors, voyons voir comment ça roule. T'as pas l'air dégueu, hein? Non, c'est correct. Ça glisse pas beaucoup. Ça freine pas. Nickel. Tout ce qu'on aime. Pas vraiment, oui. Ok. Ouais, j'ai pas de masque non plus avec cette tenue. C'est où? C'est ici, c'est le dernier, oui. Ça se voit quand même. Ah oui, bah oui, effectivement. Vache. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Super vite, du coup, bah, j'ai fait la course avec les flics et j'ai fait les smokes. Ça les ils m'ont vu dans le buisson. Et si, hola. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Putain, bonjour. Bonsoir. Bon. On peut pas te reconnaître en plus, c'est parfait. Au moins comme ça pour une fois tu parais plus vieux, ouais, tu pourras peut-être boire un peu. Oh, ça s'intègre. Arrête, j'apprends la pantoïne, j'ai pas envie de reprendre tout de suite là. Mais je crois que du coup on a poussé la señorita qui était là-bas. Oh non, c'est bon. Putain, merde, on voit mes cheveux. Quand on voit ta cheveux. Je me dis si je fais trop de fumée. Ouais, t'inquiète, ouais. Ah, je savais pas que. Faut le dire, hein, si vous faites autant d'effets que ça, le copain. Vous montrer ses faces.
bien. Si vous voulez, je peux vous le louer à l'heure. Ouais, ça va, cela. Ça va, allez, je vous remercie. Oh non, on vous laisse, vous en faites pas. Bonne soirée. Et la bonne soirée. Ah, Diego, t'es passé attrayant. J'ai vu le coup, mais personne veut de toi. Mon dieu. Moi, faut changer de cheveux, du coup. Ah oui, on voit tes cheveux Ouais, ouais. Oh, beaucoup Oui, oh oui, bah tout, hein. Ah. Ah ouais. Mon dieu, mais tout le monde a une rapide GT classique. Oui, bah je crois que c'est peut-être... Ouais. Ça veut dire que désormais, je devais devoir payer mes réparations. Faut que je fasse attention, moi. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Tu veux qu'on aille voir un coiffeur ? Bah ouais, du coup. Hein. Pas le choix. Vas-y, prends ton temps, je vais aux toilettes. Oui. Oh non, j'ai pris le pire masque en fait. En fait, j'ai pris le pire masque, en fait, il fait pas toute la tête. Ah, oui, ça c'est embêtant. Tu veux en acheter un autre ? Bah, je pense, hein. Bon, comme ça, on... Eh ben... On est tranquille. On va aller voir. Hop, attends. Allez. Parce que c'est relou, quoi. Ah oui, un petit peu, oui. Je pensais qu'il faisait tout petit, cette écoute. Alors. Oh, et encore plus de monde. Oh là là. Ouais. Bon, c'est pas grave, je sais ce que je veux, c'est bon. Hop hop hop. Ah bah re, hein. R.E. Ah oui, c'est trop chiant avec les cheveux, là. Ouais. Pourtant que t'as des jolis cheveux. Ah bah non, mais on... Bah, on mais le... si tu les attaches avant de mettre le... Oh ouais, je prends ça comme masque ravière. Bah non, mais non, même, on peut pas les attacher, du coup. Ouais, moi non plus, je peux pas les attacher, ouais, les gars, c'est un coup d'insecte comme ça. Oui. Penny. Ouais, du coup, c'est pas mal. Tête de tigre. Tête de chibre. Tête de chibre. Mais c'est qui la madame, du coup? C'est quoi? Moi? Ouais. Ah, moi, c'est Nina. Je travaille au U. Ah bon? Travaille avec nous aussi, ouais, ouais. Mais, en tout cas, mais je viens quasiment jamais. Oui, oui, c'est compliqué. Ouais, oui, moi non plus, je viens jamais, c'est compliqué. Ah oui, ah, putain, mais il y a combien, là? Pas vous, hein, je parle du masque. Pardon. Bah, non, je comprends plus, là. Soucis, hein. C'est une blague. Pourquoi il fait souvent cet effet-là, ouais. Mais pourquoi j'en ai 15... Enfin, moi, c'est une blague. Comme annoncé sur. Ah, bah non, c'est Ravière qui fait voir tout ça rouge. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, Nina. Ah, mais je vais pas le payer en boucle par contre, le masque là. Ah, ouais, j'avoue. Plus du cul, ça. Ah, non, mais je l'enlève pas. Attends, si je l'enlève. Putain, nique ta mère! Attends, c'est une blague!
Oh bah super. Bon courage Nina. Putain de sa race. Non, c'est une blague. En tout cas... T'as été très énervé là-bas. Attends. Non mais yo. Ouais, madame, je me suis fait... Vous avez le problème du masque, c'est ça? Bah ouais, ouais, cassez couilles. Mettez le masque sur vous d'abord. Ouais. Et après vous changez de masque, quoi. Ok, oui, ok, d'accord. Wow. Super. Prends une grande inspiration, Nina. Ah ouais, ouais, ça va aller, parce que ça fait quand même 3 fois que je le paye. Et là? Attends. Oh putain, merci, incroyable, truc de fou. Ouais. J'ai eu le même problème. Oh merci. Ah ouais, d'accord, ah oui, et putain. Ah ouais. Sors de là et remets le masque sur toi. Ah oui. Ah bah merci beaucoup, super. Allez, vous êtes les meilleurs. Allez, à toute, bonne soirée. Des bisous. Et bonne soirée avec Tom Tom. Hein? Oui, c'est Tom Tom et Nina du coup. Ah putain. Ah, fais gaffe, tu parles très fort. Ah, c'est pas grave. Putain, vraiment. En vrai, c'était des collègues. Hein. Je savais même pas. Ah, tu sais conduire. Oui, tu sais conduire. Oui, ça peut aller, je crois. Tu vas conduire. Ah, d'accord. On va où? Déjà, on va aller remettre le plein. Ok. Eh, tu l'abîmes pas, hein? Oh, je vais essayer, je vais essayer. Alors, ça, je peux pas te mettre, hein? Ça, je. Eh bah, essaye de te mettre à l'aise avec la voiture. Oui, ok. Et puis, après, on va tourner pour essayer de trouver. Des brigands. Ok. T'as mis le frein à main? Non. T'as pas mis de frein à main? Non, jamais. Eh ben dis donc. Je pense qu'il faut que tu coupes le moteur. Oui. Allez, sympa du coup la marche cosmétique, quoi de ouf. Allez ma grande. Dirige-toi vers Vinewood, je pense, pour commencer. Ok. Je rappelle Spada. Ah. Il est occupé. Ah oui, il y en a qui ont pas froid aux yeux. Oh putain. La vache. Ouais. C'est bien laid, hein. Ah oui, c'est très laid. Après, au moins, il peut se recoiffer parce qu'il a un miroir de poche, quoi. C'est vrai. Un miroir qui roule. Hein. Alors, si tu vois quelqu'un de suspect, tu ralentis pas. On va réfléchir. D'accord, ok. Comment on fait? Il y a un type au distributeur devant à gauche. Là. Il y a souvent un type qui vend sur la gauche aussi, mais là, il est pas. Non, va à droite. Oui. Bon là, une fois sur deux, la supérette, elle est braquée ici. Et là, sur la droite, il y a des types qui se garent sur le parking et ils vendent en fait à même le trottoir. Le problème d'ici, c'est qu'il y a beaucoup de circulation aussi. Ouais, c'est un peu the place to be, quoi. Spada m'a aussi parlé de la plage. Vas-y, roule. C'est moi où il y a une patate. Ouais, oui, je le connais. C'est ah, c'est le groupe oui. Des doudounes afrofou. Ah oui, oui, ouais, je vois. Oui, ils sont pas très malins.
Est-ce que tu as une radio, toi, Nina? Oui, j'en ai une. Eh ben, on va se mettre sur une fréquence. Et on va se mettre sur la 273. Ok. En espérant que... qu'il n'y ait personne dessus. Bah, on va voir. Ouais, salut tout le monde, c'est Joe. Bon. Soit ils sont étonnés et ils font comme si il y avait personne, soit il y a personne. Soit ouais, il y a vraiment personne. Ouais. Bah, allons voir vers la plage. Côté Great ou... Oui, on peut aller du côté de la Great. Qu'est-ce que... Oui, je crois qu'il est pas tout à fait bien, lui. Hop là. Ça dégage. Ouais, bien, bien évité. Comme les manèges, ça. Je suis étonné qu'au auto, il n'y a personne. Sur le parking. Ouais. T'avais mis le plein ou t'avais pas assez de liquide ? Y a pas le plein ? Y a pas le plein. Je pense que t'avais pas assez. Bah si, pourtant j'ai 600 balles sur moi. Ah ouais ? Ouais. Bah là je vois pas le plein. Oh, c'est curieux. Ouais. Bah retournons à la station essence. Essaye de te mettre au volant pour voir. Ouais. Dans le doute. Alors ? Non, effectivement, c'est vide. Attends. Chelou. Bah oui, écoute, je vais voir. Je vais me remettre au volant. Ah, les verres. Ok, c'est bon. Vas-y. Putain, c'est ouf, hein, parce que je... Ah si, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon, ok. Ah, il y avait une voiture devant la supérette. C'est vrai ? Ouais. Là, c'est frein à main. Oui, là, pour faire des métaux, oui. Mais... sinon, c'est que j'étais une sorcière. Ah bah. C'est peut-être Ace. Il a une voiture similaire, mais... T'embête pas. Ok. Va à la plage. On aurait dû le... Si on tape quelqu'un dans un magasin, c'est quand il est dedans. Oui, bah oui, sinon ça sert à rien. Oui. Ok. Il n'y a pas un chat. Ouais. On va aller voir un peu plus bas sur la plage. Il va bien y avoir des dealers. Bah, peut-être. Hein. Ça passe là ? Oui. Ah non, pas par ici. Je disais plus loin, dans cette direction. Ah oui, d'accord, ok. Quelques passants, mais pas de vendeurs. Là, c'est les taxis ici. Hmm. Ouais, continue sur la promenade à droite, là. Ok. Ça, après, c'est chez les mecs en veste jean, non ? Ah oui, mais c'est au fond, c'est au fond. Ah oui, d'accord.
Oui, on a encore de la marge. Comme si un seul gang pouvait contrôler tout Bay City, enfin. Oui. Ça s'en fait, hein. Ça s'en fait du mètre carré, hein. Ah oui, ça en fait un paquet. Ah oui, oui. En vrai, quand tu vois la police d'ici, ça m'étonnerait pas, quoi. Ouais. Ok. Non, va pas plus loin. Bon, bah, y'a R, hein. Si, y'a un punk qui vend juste derrière nous, là. Mais du coup, c'est un punk. Oui, bah, ouais. Je retourne sur Vinewood. Ouais, bon, on fait le tour des supérettes et puis on voit ce que ça donne. Enfin, les supérettes, les rues piétonnes, ces trucs-là, et puis on voit. Oui. Alors. Nope. Non. C'est même ceux qui font des ATM, on peut pas savoir. Parce que ça se trouve, c'est juste un petit gars qui prend son argent, quoi. Faut les observer, oui. Et si jamais on braque un type qui est en train de braquer un magasin. Ouais. Sois prête à ce que les flics arrivent à tout moment. Oui. Dis-moi, tu préfères conduire ou tu préfères braquer ? On va dire conduire là. Ouais. Je t'avoue, là, pour l'instant, conduire. Après, peut-être braquer. Mais. Ouais, je dirais là, pour l'instant, conduire, je pense. Ok. On va s'arrêter un peu là au croisement. Oui. C'est vrai qu'il y a la soucoupe qui fait du bruit là, putain. Oui, je vois personne. Hein. Mais il y a son père. Non, il n'y a pas un chat. En fait, à part les punks, il n'y a personne. Oui, j'ai l'impression aussi, on a vu un gros convoi de verre. Mais ils doivent bien avoir des petits gars qui travaillent pour eux. On va voir la supérette à côté. Oui. Ah, mais si je veux voler quelqu'un, il me faut peut-être un sac à dos, dis donc. Oui. Oui, allons acheter des vêtements. Allez. Putain. Tu dis oui comme si tu y avais pensé. En fait... j'ai dit ça, c'est parce qu'en fait, j'ai enlevé mon sac de ma tenue. Oui. Voilà. Oui, je m'en suis souvenu. Ouais. Yes. T'as bien fermé la voiture ? Bah, j'ai pas les clés. Ah bah oui, forcément. Bien. Du coup, ouais. Attends, bien. C'est voilà. Meilleur. Ici. Ah oui, oh putain. Ah oui. Il y en a un paquet de sacs. Merde. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que... Putain. 45 normalement. Ah oui. Oui. Sinon, on peut prendre celui qu'on veut, non? Non. Ah oui. Oui. D'accord. C'est ce qu'on va expliquer au U.
Très bien. Allez. Je vais refaire un tour au cas où, dans le doute. Ouais, bien sûr, refais un tour. On va bien trouver un moment ou un autre. Là, il n'y a pas un chat. Oui. Et la supérette a l'air calme. Oui. Bon, on continue à faire un petit tour des magasins, des rues. On va. Je vais revoir vers. Vers Cougar. Hein. Ouais. Oui, on peut faire ça. Bon, le but, ça va être déjà de te rembourser tes 5000 balles. Que derrière toi tu puisses t'acheter une voiture et puis il faudra se payer un appartement aussi un jour ou l'autre. Oui, c'est vrai. Oui. Je crois que le prix Mama. Hein. Oui, Mama, oui. Et... Oh, j'ai vu des petits studios pas très loin de Cougar d'ailleurs. Ah ouais. Mais c'est 55 000 balles. Ça va encore parce que. Oui, ça va. Bah oui, parce que quand j'ai vu les autres prix, j'étais là, oui. Ah oui. Bah 130 000 et tout quoi. Ah oui oui c'est... Oui. Ouais. Je pensais à un truc. Oui. Parce qu'au vu je me fais un peu chier. Mais est-ce que tu crois... Oui. Parce qu'après ça me dit ça va, non c'est un peu tendu est-ce qu'on fait, je me dis. Pourquoi, dis-moi. Je me suis dit, est-ce que les médecins ça paye pas plus? Et le problème c'est que... Je sais pas déjà et... Tu risques d'être pas mal prise dans le boulot. Oh ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. Bon bah, hey, putain. Hey. Et si tu veux essayer, vas-y. Hein. Si le UU te plaît pas, tu veux un taf à côté, vas-y. Parce que je me dis, même si ça paye plus, voilà. Et puis, bah peut-être, les médecins ne ferment pas à 23h50, tu vois. Oui, aussi, oui. Donc, oui, t'aurais du travail. Oui, voilà. Écoute, je vais me renseigner. Ouais, comme ça, je me dis, au pire... Après, je pense que... tu dois prendre ton badge comme tout le monde. Oui, Pablo, bonsoir. Ah, parfait. J'ai croisé quelqu'un dans la rue qui s'intéressait, qui cherche du boulot, et qui se demandait si les médecins recrutaient et quels étaient les salaires, à peu près. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Eh ben, je transmets ça à la personne. Je vous remercie. Pute. Bonne soirée à vous. Au revoir. Il faut qu'il recrute, il faut que tu ailles au LSPD demander un extrait de casier vierge et que tu te pointes là-bas et c'est 369 $ du quart d'heure le point d'interne. Hein ? Mais quoi ? Oui, quoi ? Ils sont deux. Oui, ils sont deux. Bah, je crois que j'ai l'impression que c'est la même bagnole qu'on a croisée, mes collègues là du U. Et comment ça, quoi ? Bah le salaire, what the fuck. C'est beaucoup ? Bah oui, je suis à 200 et des bananes là. Ah ouais, moi je suis à 330 à life. Et là t'as dit c'est combien 300 ? Merde. 369, je crois. Ah oui. Putain eh. Ah bah oui hein. Si en délire Bah oui eh. Bah écoute, ce qu'on fait, c'est que on cherche un brigand. Ah oui, bah on essaye là. Et puis, si on n'en trouve pas, après moi je vais y aller. Et bah toi, fonce postuler. Bah ouais, ça nous fera de la thune. Hein. Même si j'y reste pas longtemps, si je n'ai pas un casier, bah... Oui, c'est ça. Pire voilà.
Alors, en tout cas, on a fait toutes les supérettes au moins. Personne perd. Ouais. Bon, là, sauf là, ils étaient deux. Bon. Question de timing. Ouais. Il y en a une qu'on a. Une. Côté New York Park, là. Oui, on peut aller voir. Il y a des espèces de loustiques qui s'installent d'ailleurs à Mirror Park. Ah ouais? Oui. Je crois qu'ils coûtent cher les apparts là-bas aussi. Je crois que c'est eux qui sont dans les 100 et quelques. Ah oui, oui, c'est possible. Ouais. Tout à fait possible. Tic-tic-té, la voiture, elle est toute neuve. Yo. Eh oui, elle est toute neuve. Elle sort de la concession et voilà. Eh oui, bah, elle n'a pas touché. J'ai pas touché, hein. J'ai touché pour toi? Ça a un tout petit peu frotté, oui. Moi, c'est pas touché. Moi, j'ai pas touché, c'est pas touché, hein. Ah oui. Ah oui, non, j'ai pas touché, hein. Oh, bah, ça a pas touché alors. Ah, c'est pas touché. Ah, c'est vrai qu'elle est très agréable à conduire, mais c'est vrai que. Il faut bien freiner, quoi. Ah oui, elle freine mal, hein. Ah oui, oui, il faut écraser la pédale de frein, oui, quoi. Vraiment, vraiment fort. C'est mignon, mais on part qu'un petit lac et tout, là. Ah oui, c'est très joli. Ah, hein, c'est mignon, oui. Hein. Bah yes. Ouais, des ouvriers. Ouais, ouais. Monsieur, je vous doute pas. Oh, il m'a touché. Ouais, c'est rien, c'est rien. Attends, je vais casser la gueule, hein. Attends, on va remettre de l'essence, on est à la moitié. Oh, ah bah. Une livraison. On le soleil, le soleil. Ouais. Bah oui. Tu crois, à la munition, il y a des trucs genre que je peux prendre sur le PPA? Oui, tu peux trouver des armes blanches. Oh putain, attends. C'est bon? Ah, je prends une queue. Vas-y, monte. Viens comme ça si je veux casser la gueule à quelqu'un. Oui, c'est parfait. Comme ça, toi tu le braques, moi j'arrive par derrière, paf! Coup sur sa tête. Parfait. D'ailleurs, j'ai remarqué si jamais la plaque d'immatriculation est à l'arrière seulement. Oh! Donc. Pas mal, pas mal. On va essayer de. Oui, de pas trop la mettre en évidence. Ouais, non. En plus, ça va, elle est bien basse. Oui. La plaque. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est un avantage aussi. Faut y aller pour la voir. Par contre, on ne croise ni dealer, ni brigand, ni policier. Ni même civil. On croise personne. On croise. Alors, soit, pas ils, sont, alors soit ils sont tous au UU, soit les flics qui sont toujours au contrôle, soit c'est les gens qui sont trop nombreux ou c'est les punks. C'est ça. En fait, il y a quatre types de personnes. Non voilà. Piano, c'est tout. Ouais. Ouais. Ouais, comme tu dis, oui. Après, on est dimanche, hein. C'est vrai, c'est le jour de ce putain de seigneur. Ouais. C'est bien vrai. Bon. On va faire le tour, on va faire le tour. Oui, bah oui, oui. On n'a pas fait celle sur la grecque, mais je pense que c'est un peu abusé, c'est un peu loin, non?
Oh non, tu as raison. Je vais regarder celle-là qui est à côté. Rien. Mm-hmm. Comme vous dites, oui. Tout à fait, oui. Bon, la France ne te manque pas. Non. Parfois oui. Moi non plus. Mais parfois non. Qu'on se rappelle du nombre de cons qu'il y avait au mètre carré, non. Ça oui. C'est clair. Puis c'est un avantage, c'est qu'ici il pleut jamais, quoi. Ah non, ici il fait un soleil éclatant. Et puis en plus, il fait bon, hein. Pas dire qu'il fait frisquette, hein. Non, il fait pas. De temps en temps, il y a des petits coups de froid. Ah oui, oui, bah c'est l'eau, quoi. C'est le microclimat. Eh oui, la mer. La mer, bien entendu. Oui, c'est vrai. T'as pas des appartements à acheter proche de la mer? C'est triste, hein, je pense pas. Hein. Je ne saurais pas te dire. Pardon, j'ai cru que... Ouais, moi aussi j'ai cru. Pardon. Et sur la jetée là, y a pas des gens qui vendent? Non. Ok. Alors c'est quand même un monde que quand je tourne avec Life, j'en vois toutes les 3 minutes. C'est moi, je dois porter malheur, c'est pas possible. Oui, je pense. Ouais. Là, celle de gauche. Non. Non. Quelqu'un qui retire de l'argent. Tu crois que tu mettrais quoi comme couleur sur ta voiture? Blanc. Tu laisserais blanc comme ça? Ah oui, le blanc, la justice. C'est vrai, c'est les vrai. White Knight. Non, je sais pas. Ah ouais. Après, blanc avec un petit nacrage. Ah oui. Ah oui, c'est pas bête. Bah, en vrai. C'est des fois, j'ai l'impression qu'elle a un petit... Un petit nacrage un peu gris, argenté. Gris un peu bleuté, là. On dirait un bleu diamant, ah, genre... Oui. C'est trop bizarre. Il y a une supérette par là-haut, si je dis pas de bêtises. Oui, tout au fond. Oui, ça a pas l'air très excitant de travailler au U. Bah, après, c'est surtout, bah, soit tu vas récolter si tu as des trucs à récolter, soit tu t'occupes des intérimaires qui reviennent. Ouais. Mais sinon, bah, t'es devant, tu discutes avec les gens et puis. Ça ne perd. Et en fait, tu discutes avec les gens et puis, bah, s'il y en a qui a besoin, tu les sers, quoi. Après, il y a pas mal d'événements, genre par exemple, mardi, il y a la soirée Halloween. Ouais. Des trucs comme ça, donc ça c'est cool parce qu'il y a des événements et tout. Mais c'est vrai que c'est pas. C'est monotone, quoi. Ouais, je comprends. Mais je savais pas qu'il y avait. Je pensais que c'était que du service. Ouais. Non, bah tu peux soit livrer de la bouffe. Ouais. Soit tu vas en chercher. Ouais. Soit tu vas récolter dans les champs dans le nord. Mais il faut que tu ailles dans le nord, tu reviens dans le sud, c'est genre tu vas récolter tes pommes, tu vas dans le nord. Tu vas les laver encore dans le nord et après tu les ramènes au U. Et après, tu dois noter dans ta compta que t'as ramassé tant. Et après, ils te donnent des sous. On m'a parlé de l'université aussi pour vendre de la drogue. Comme quoi, c'était bien là-bas. Oui. Et on est à côté. Bon, comme visiblement ce soir, il n'y a pas un chat dans les rues.
Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Sacré bordel. Ouais. What the fuck? Oui, comme tu dis. Ok. Là, en bas à gauche, il y a un type. Oui. Il voit? Ouais. Ah, il vend. Ouais, oui, il vend. Ok. Tu veux le braquer? Ou je m'en occupe? T'as un flingue, quoi. C'est vrai. Ok, on va partir d'ici, échanger les places. Après je peux arriver en backup quoi. Ah bah de toute façon oui. Ah oui. Il faudrait pas qu'il puisse s'échapper à pied, donc s'il tente de s'échapper, t'essayes de le prendre de l'autre côté, d'accord? Ok. Ok. Allez. Je mets mon masque. Parle fort. Oui. Il est plus loin. Je le vois, il marche. Ah, ok, je vois. Vas-y, je descends. Ok, tu m'entends sur la radio? Niveau. Ouais, mets-moi à son niveau, au niveau du trottoir. Okay. Roule sur le trottoir. Va plus loin. Allez, je descends. Arrête-toi tout de suite, lève tes mains. Lève tes mains, mon gars. Wow. Relève-toi. T'entends? Je joue pas au con. Bien. Oui, la weed et l'argent. Bien. Comment tu t'appelles? C'est pas fini? Non. Ah, je m'appelle Terence. Très bien, Terence. Tu sais où t'es ici? Non, à l'université. Une université, un endroit où on trouve un sens à sa vie. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir par là, Terence, et tu vas me trouver un putain de sens à ta vie, c'est clair? Ouais. Okay. Et tu recommences plusieurs de conneries. Dégage de là. Allez, fonce. T'as l'impression que t'as fait ça toute ta vie. J'enlève le masque. Fonce direct chez les punks. Ok. Il avait 850 balles. Mais quoi? 21 de je sais pas quoi là. De Purple Haze. Ouais. Et 8 de Jack RR. What the fuck? Ah oui. Oui.
J'appelle un des punks. Oui. Oui, Jack, c'est Ezekiel. On s'est vu tout à l'heure. J'arrive, si possible, à votre squat pour vous ramener quelque chose. De l'herbe. Du thé. Eh bah, à tout de suite. Oui, du thé. Du thé. Je pensais voler nous proposer du thé au début. Con. Ah oui, moi aussi. Il avait l'air pas bien le Terrence là, il m'a fait de la peine. Ah oh, oui, il s'est un peu chié dessus, je pense. Ah oui. Oh, je suis arrivé, je l'ai pointé, il est tombé. Oui, bah, j'ai vu ça, je me suis dit, oula. J'ai mis en train de calmer ou quoi. Non, merde, allez descendre. Merde. Non. Non. Non, non, non. Non, non, putain. Ok, si. Mais bien joué Nina, très propre. Et j'ai apprécié le backup. Ah oui, je me suis dit au cas où, je sais pas ce qu'il pouvait avoir sur lui quoi. Oui, c'est vrai. Nickel. Ça trace de ouf, t'as vu? C'est plus de thé. Ouais, t'es comme ça, toi. Ah, je flume. Et rebonsoir. Et rebonsoir. Je vous amène un petit peu d'herbe. C'est quoi que tu dis? Un petit peu combien? Pas grand chose. 21 de purple et 8 de jack. Et? Ok, attends deux secondes. C'est tout. Quelqu'un à 500 balles? Oui. Non, toi, Buck, je vais te demander 1000 balles. Mais j'ai mis 300 balles. File-moi 500 balles. Je te file 1000 aussi? Ouais, vas-y. Oh ouais, putain, j'adore un gangbang de thunes. Ouais, vas-y. Jetez-moi l'argent au visage. Tiens, Larry. Fais-moi une facade. Tiens, ah putain, c'est bon. Ah, je me sens bien là. Ah, c'est quel patron? Ah, je bouge plus. Alors... Là, c'est peut-être le patron, par contre. Non, c'est pas toi le patron. Non. Je suis le capuchef de ma propre vie. Ah oui, putain, d'ailleurs. Ouais, ça, ouais. Oui. Olive? Ouais. Viens voir, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux aller par là. Là, juste là, s'il te plaît. Pourquoi? Je suis comme ça. Elle est punie. Je suis pas le chef. Aïe. Arrêtez! Ah putain! Un crayon dans l'arcade, bordel! Oui. Ah tiens! Parfait. Et une sacrée droite, Olive. Ah bordel! Ben... Ah j'ai l'œil gauche qui pleure. Tant que c'est que l'œil. A plus tard, messieurs, dames. Ouais, bisous, bonne ouais. Soirée! Ouais, bonne attends, mais je vais goûter ça du coup. Oh putain, y'a Chico qui m'appelle maintenant! Ah bon? Ouais, attends, je vais regarder ça. Salut! J'espère que Chico, c'est pas celui qu'on vient de dépouiller. Ça serait très drôle. Oui. Ouais. Allez, écoute, on peut pas savoir. Hein. Déjà. Ah, je peux rien te donner dans la voiture. Ah. On va aller les déposer à la banque. Ouais. Bah, après, on pouvait pas savoir. Hein. C'est pas marqué sur son blaze. Hein. Enfin, sur sa tête. Ah, hein. Oh, mais j'en ai rien à faire. Bah, il nous a dit de rapporter des trucs. On a rapporté des trucs, non? Oui. Voilà. Et puis, tant mieux si c'est sa propre marchandise.
C'est vrai. Voilà, retour à l'envoyeur. Comme ça, il pourrait lui redonner et puis il pourrait finir, quoi, c'est bien. Deux petites secondes. Donc... Bien. On va aller sécuriser ce peu d'argent. Ouais. Après, il est pas mal quand même, hein. Je sais pas combien il a vendu, mais... Bah franchement, 1500 balles pour ramener 30 pochons d'herbe, c'est simple, 1500 balles, c'est une heure et demie chez Life. Ah ouais. What the fuck. Oui. C'était de l'argent sale qu'il avait. Aucune idée. Ah, mais on verra bien. Hein. Ah, tu vas voir. Attends. Je vais essayer de tout poser. Oui. Ensuite, je te retirerai ça. Oui, c'était de l'argent sale. Ah, ben oui. Bien vu, j'ai pas pensé ça. Si c'est de l'argent de la drogue, je pourrais pas le poser ici. Ouais. 2811. Non, j'ai tout déposé. Ah ouais? Ouais. The fuck, ok. Ouais. Du coup, retrait. Parfait. Bien. Merci. Touk touk touk. C'est bon. Tu m'as entendu lui dire de s'arrêter? Oui. Ouais, je parlais très fort. ouais, vraiment. Je pense que les mecs à 30 mètres, ils m'entendaient. Ah oui, c'est sur le terrain, là, à mon avis, le terrain de je sais pas quoi, là, ils t'entendaient, là. Ah oui, c'est sûr. Même s'il y avait des gens qui regardaient au-dessus de la colline, je pense que ouais. Hein. Mais bien joué, en tout cas, on a réussi notre premier coup. Oui, c'est vrai. Moi, je me suis dit, peut-être il aurait pu nous voir, parce qu'on était vraiment tout notre temps, quoi. Ah. Ça lui apprendrait plus près. Pas du tout. Pas du tout. On va aller faire le plein. Oui. Ne rentrez pas dedans, merci, au revoir. Ah oui, parce que j'ai vraiment pas envie de payer des réparations, ça me coûterait ce que j'ai sur ma fortune en fait, $900. Oh là là. Oui, mais c'est un nouveau départ. Oui, c'est sûr. Attends, je vais te payer l'essence. Oh, c'est bien aimable. Ah bah oui, bah quand même. En plus, si tu viens de médecin, bah alors là, je pourrais ralasse comme jaja. Hein. Ah bah là, oui, tu vas financer l'organisation. Ah oui, bah là, fou. En route, toi, acheter une voiture et acheter un appartement, hein. Sinon, faut faire un truc. Si Dan il est là, on essaye de le choper là. Et puis on lui demande combien il a sur sa monnaie. Oui. Et puis au pire, on lui demande s'il veut pas acheter un appartement. Oh, ça serait sympathique, oh là là. Et il nous héberge. Ah oui, voilà.
Parfait. C'est un malentendu, peut-être ça passe. Hein. Tu as te coucher, toi, non? Non, on peut en okay. chercher un autre. Ok. C'est fou, il n'y a aucune voiture de flic. Non, genre, les seuls qu'on a croisés tout à l'heure, ils étaient sur un contrôle. Mais ouais. Je crois qu'il y avait qu'une voiture en plus, je crois. Je me souviens pas s'il y en avait deux. Oh bah. Non, il y en avait deux. Bah tiens, quand tu en parles. Ah ouais, bah putain. Bon, rien à signaler ici. Rien du tout. On va voir vers Cougar. Ouais. Et tu vois le filon de l'université, pas mal. Bah ouais, hein. Mais par contre, on ne croise que des rapides GT. Oui, c'est bien vrai ça. Bah, c'est pas le premier prix pour un truc bien, non? Bah, j'ai l'impression, oui, 55 000 balles, c'est pas excessif. Bah ouais. Et du coup, quand tu revends une voiture, c'est 70% de sa valeur. Oui, c'est ça. Du coup, en vrai, c'est pas ça, mal. Ça, hein. Fait 30 000 balles qui dorment. Ouais. Après, si c'est la dèche ultime, oui, ça aide. C'est sûr. Bon, après, tu te retrouves avec rien, par contre, mais bon. Et voilà. C'est ça, le problème. Parce que même une moto, je crois que ça coûte une blinde. Ah oui? Oui, j'avais regardé, je crois que c'est dans les... Après, c'est pas un blinde. J'allais dire une blinde pour une moto, quoi. Mais je crois que c'est dans les... Entre... À partir de 20 000, je crois, ou peut-être plus. 25, 30, je sais plus. Hmm. C'est vrai, je me dis, ça fait mal au cul de se dire tu vends ça parce que t'as plus de thunes. Ça te fait 30 000 balles, mais genre derrière, ouais. T'achètes un vélo, quoi. Oui, c'est clair. Genre... Tu braques en vélo. Et tu braques en vélo, quoi. Fais gaffe à eux. Ah oui. Maria, que j'ai rencontrée à Life, serait partante pour ce genre de truc aussi. Ah ouais? Mais du coup, faudrait peut-être une. En fait, faudrait économiser pour avoir une 4 places en fait. Faut économiser pour une 4 places, quoi. Oui, ou alors on arrive à être 4 et on fait 2 groupes. Nice. Mais bon, c'est pareil, elle a pas un rond. Oui, bah oui. À moins qu'elle vende. Ça la se boue, mais bon. Ça la ouais, moins. C'est pareil, ça rapporte enfin, pas. Ça rapporte pas des masses, quoi. Ouais. Elle peut pas se payer une bagnole, quoi. Continue tout droit? Oui. Non, que des passants. On va voir à droite et puis tu reprendras à droite après. Oui. Quoi? Quoi? J'entends une femme. Tu l'entends? Non. J'entends une femme qui parle très fort. Ah bon? Mais c'est, oui, c'est curieux. Continue. C'est pas tout le temps, c'est de temps en temps. Non, je l'entends plus, je ne l'entends plus. Ah d'accord. Oui, c'était étrange. Ah oui, d'accord.
je l'entends encore, c'est curieux. Là, là, à l'instant, là ? Ouais, je l'ai entendu, mais c'est bizarre. Ah ! Je l'entends plus. Tu crois que je perds la boule ? Bah, tu me fais peur, mais... non, mais attends, peut-être que... est-ce que, par hasard... Oui. Comment dire ? Tu vois, t'as ton... T'as ton... On va dire... Tu vois, ton sonotone, mais t'as compris, quoi ? Oui. Et t'as le deuxième. Celui-là, faut que tu le... Pardon ? Ouais, Le deuxième... J'ai pas compris. Attends, peut-être que tu vas comprendre. Ok, t'es prêt ? Oui. T'es prêt ? Ok. Il y a quelques jours, là, j'ai vu une petite série, là, basée sur Halloween. Ok. Oui. On devait faire une enquête et tout, machin. Et c'était à base de... Il y a un mec, là, pas très aimable, un petit roucoute, là, qui me dit « Oui, elle va chercher un cercueil et tout, tu vois ?» Oui. Tu vois ça ? Oui. T'as capté ? Oui. Bah ça, et bah oui, apparemment... Oui, bah, d'accord, j'ai compris. Voilà. Oui. Et ouais, et bah, apparemment il y a des rumeurs comme quoi le deuxième sonotone ferait en sorte que t'entends des voix de l'au-delà. Oui, c'est bon, j'ai coupé. Voilà. Parfait, salut mon pote. Salut mon pote, ah oui. Voilà. Nickel. C'était plus simple comme ça, tiens d'un coup. Ah oui, c'est parfait. Allez, parfait. Bon, on va aller voir Cougar. Oui, allons voir. Oula. Oui, alors là, je... Pas frein à main, là. Pas frein à main du tout. Je tombe des nues, oui. Coucou, Fofo, comment ça va ? L'expression HP en RP, c'est compliqué, là. Alors, oui, non. Suspense. Oh là là. Oh là là, je tremble. It's a no. Putain. Retourne voir vers la Great Ocean. Ah oui. Ouais, une bonne idée. Hein. Une bonne idée. Hein. Ah oui, n'est-ce pas? Bien sûr. Puis du coup, en descendant, on regardera même sur la plage. Qu'est-ce que c'est que ton oracle à la con, là ? On regardera sur la plage. Oui, tout à fait. Ah, il y a un rendez-vous à gauche avec des rouges, des containers verts et... Attends. Vas-y, roule. Ah oui, j'ai vu. Et lui ne répond pas. Allez, chais, je t'ai fait peur. Oui, bonsoir commandant, j'ai l'impression qu'il y a un échange entre deux entités en 70-00. Oui, sur le parking, au bord de la plage. Au revoir. Continue. Ils sont deux. Oui. Non, va voir plus loin sur la Ah grève. Oui, la deuxième, putain. Ouais. Et ne reviens pas au 70-00. Ok. Salope. C'est une blague. Vraiment. Hein. Je sais qu'on a de la prestance, mais à ce point-là... Non, personne dedans. Bon bah du coup, j'en profite pour aller voir du coup l'autre là. Oui, vas-y. Supérette.
Poussez-vous, 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 merci. Bon, s'il n'y a rien à celle-là, on repasse vite fait à Cougar. Oui. Vinewood, et puis on rentre. Oui, ok. Des badauds. Mais que dalle. Au moins, ça veut dire que si le commando, je sais pas quoi, a qu'à répondu, c'est-à-dire qu'il y a de la police, quoi. Juste, où est-elle? Oui. Ah, ça. Bonne question. Oh, on va commencer par celle de Pinewood. Et on finira par Cougar, parce que comme ça, au moins, t'es proche de Life. Oui, bah de toute façon, il faut que je te dépose à ta voiture. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Je trouve que ça va, elle prend bien les boss quand même. Je ralentis pas du tout sur les boss. Oui, elle est bien, elle colle bien au sol, ouais. Elle a une bonne masse. C'est ça. Jusqu'à juste une option freinage aurait été bien, mais... Ah ça, oui. On peut pas tout avoir, hein. Au moins, il glisse pas comme l'autre. Masse, c'est un mix entre une Interceptor qui pèse 20 grammes et une Super Diamond qui pèse 20 tonnes. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Elles ont le même frein, quoi. Oui. Je trouve qu'elle envoie du... Elle envoie du pâté, quand même. Ouais, elle a une bonne accélération. Oh, ça, c'est hyper pas agréable. Beaucoup de... Pas beaucoup de vitesse de pointe, mais une bonne accélération, ouais. Ah bah, que chi. Super. Non, rien du tout. Attends, on peut peut-être tomber sur un dealer dans le coin. Alors, regarde à gauche. Avec sa moto garée juste derrière. Ouais. Qui est au Continue. Téléphone. Là. Prends à droite. Et reprends à gauche et arrête-toi à l'intersection. Non, à gauche, fais demi-tour, je veux dire. Ah, pardon. Et tu t'arrêtes là au feu pour regarder un peu. Je parle à quelqu'un. Oui. Ah, je crois qu'elle vient de donner quelque chose. J'ai l'impression. Elle a une moto garée juste derrière le muret. Ah. Téléphone. Ah, pas de tout téléphone. Je crois qu'on est passé. Bon. On est passé, il y a été. Non, on va rien faire. On rentre. Ouais. Eh ben, concession. Tout droit.
Et nickel. Perfecto. Eh ben, c'était très bien ça, Nina. Nickel. Tu es là demain ou pas? Demain, on est quel jour? Lundi? Oui. Oui, je peux être là, oui. Bah, il faut aussi, parce que comme ça, je peux aller voir les médecins. Oui, super. Oui. Bah, il faut que tu ailles voir la police d'abord. Ah, bah, je vais faire ça maintenant, comme ça, je serai tranquille. Eh ben, nickel. Bah, oui. Ouais, au pire, ouais. Comme ça, tu peux aller direct leur déposer derrière. Oui, bah, c'est pour ça. Truc, j'en sais. Oui, bah, voilà. Super. Allez, bah, à demain. À tout, oui. Salut. Ah, et pense à te changer quand on travaille pas. Oui, tout à fait. Ça marche. À demain. À demain. Bon, c'était pas mal, hein. C'était pas prévu, hein. Rien n'était prévu. C'est vrai que j'ai... Je pense que ça peut être marrant de tester médecin, je pense. La justicière, vite fait. C'est pas de PPA, faudrait que j'ai des sous pour avoir un PPA avant. Genre, si on se fait pas choper, je peux essayer de voir le PPA et tout et. Putain, mais du coup, je peux pas ressortir ma belle tenue là, j'ai une tenue. Ma tenue, elle était beaucoup trop stylée pour ce monde. Oh, j'aimais trop ma tenue là, je peux plus. Putain, du coup, on va devoir se changer, là. Je vais en faire une autre. Vous allez voir, je suis très chiante. Les costumes de super-héros, je te jure. Oh, putain. Du coup, faut que je trouve. Oh, regardez comment c'est il y a eu des nouveaux trucs. Ah là là. Ça, on savait. Ouais, je sais. Regardez tes petits chats. Waouh. Vous savez que ça, c'est une tenue qui est de mode. La plupart des modes viennent des Sims. Ça, j'ai la même dans les Sims. Voilà. Comme les coupes de cheveux, même dans les Sims. Ah bah parfait. Parfait. Mes bras. En bas, je peux pas regarder le même pantalon. J'aime pas, j'aime pas. J'aime trop celui-là. Ah là, au max. Allez, allez. Ça me termine. Je peux m'habiller comme ça en mode UU le jour. Et pas eu la nuit. Anna Montana, la meuf. Ouais, ceux-là, ils sont trop bas. C'est dommage qu'elle y ait pas en tout en noir. Là, ça irait avec la chemise en dessous, mais... J'aurais voulu tout en noir. Y'a pas, je suis deg. Comme ça? Comme ça, c'est bien, non? Allez. Comme ça, on a dit c'était bien. Oh, le col! Regardez, j'ai un problème de col.
C'est pas grave, j'ai avec mon problème de colle. J'enlève le sac. J'enlève le sac. Short polo. Non, short pull. Short pull. On a la Wednesday. Ça, c'était pour Halloween que j'ai mis ça. On a le Wednesday. Il faut que juste que je voulais me faire un tatouage sur la bouche. Mais c'est Wednesday normalement. Mais en fait, j'attendais d'avoir les nouvelles couleurs, si... enfin les nouvelles coiffures, s'il n'y avait pas de. Comment ça s'appelle ? De natte. La nouvelle natte, mais il n'y a pas. J'ai celle-là que j'aime bien. Bon, vous l'avez vu au début, celle-là, je pense. Non, vous l'avez pas vue. Si vous l'avez vue, non, vous l'avez pas vue. J'ai celle-là, en mode maxi UU. Voilà, super. On est ravis. Manoir, ça, c'est mon pull manoir, mais ça, je peux le tège. Veste jean. Celui-là, je peux le tège. Misfit, c'est celle que j'ai de base. Je vais la changer, je pense. Là, j'enlève. Celle-là, je vais l'enlever aussi. Celle-là, je vais la garder, je pense. Je vais l'enlever. Putain, il y a tout qui est pas bon, là. Celle-là, je vais juste, du coup, refaire. Je vais la prendre sans sac et changer le haut. Moi, c'est à dire, j'aime beaucoup trop le pantalon avec les bottes, là. Oh, la chemise comme ça, elle est trop belle. Faudrait que je trouve une tenue avec ça. Tu payes pour enlever le... Ça me termine. Hein. Vous avez vu mon superbe tatouage dans le dos, là ? Trop beau. Bref. C'est ce que j'allais dire, trop beau. On va faire... Hop. Et je vais mettre... On va l'appeler. Bretelle. Hop. Voilà. Vous avez compris. Ça, c'est quoi ? Vraiment que. Oh, dommage qu'on peut pas tout arranger là. Ah, c'est celle-là ? Je peux l'enlever. Celle-là. Je vais la remplacer là. On se coque, putain, non, pas ça. Wednesday. Je vais la garder au cas où, dans le doute. Je vais pas la replacer, je m'en fous, finalement. Celle-là. Je vais l'appeler balandinerie, celle-là. Celle-là, on va l'appeler malandinerie. Hop. Celle-là. Qui est trop mims. On va l'appeler trop mims. J'ai vraiment envie d'en faire une avec la jupe. Attendez, je suis chiante. Mais ça, vous le savez déjà. J'ai vraiment envie de faire. Trouver. T'imaginez ? Ça, c'est SRP. Attendez. Non, pas ça. Ah, j'ai soif. Regardez, ça va avec. Ah, bah non, c'est des fraises en haut. Ça va toujours pas avec. Ça me termine. Non mais y'a rien qui va avec ça. Y'a rien qui va avec ça. Je suis sad. Changer mes bras. Ah. Même ça, ça va pas avec. Bon, tant pis. C'est pas grave.
Short pull. Qui va s'appeler Short pull. Hop, salon à la tège. Hop. Voilà, je trouve Mims. Je regarde un truc. Ça me fait un boule. Oh, trop Mims. J'aime trop les nouveaux vêtements. J'adore ça. I love it. I love it, oui. Vous savez, un truc qui m'emmerde, un truc que je n'aime pas faire, faut savoir, c'est être dans une entreprise et la quitter pour une autre. Ça m'angoisse. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'angoisse pas? J'aimerais vous demander. Bonjour. Et Speedy, que puis-je faire pour vous? Eh bonjour. Attends, vous avez venu hier ou quoi? Bah oui, oui. Non, je pas du tout. Je sortais parce qu'il y avait un collègue qui vient me chercher. Ah d'accord. Ah, c'était parce qu'en fait, je compte postuler chez les médecins et on m'a dit que fallait que je demande un extrait de casier judiciaire. Bonjour. Voilà. Exactement. Vous de suite. Bien quel sûr. Est votre nom, prénom? Pouvez-vous me montrer votre carte d'identité? Bien entendu. Alors merci attendez beaucoup. Que je me trompe pas. Vous ne trompez pas. C'est non. Très important. Voilà. Hop ouais. Et voilà, Nina Kazarov. Nina Kazarov. Ouais, tout à fait. C'est italien ça. Ah, un petit peu, ouais. Un chouïa. Pas de casier judiciaire. Très bien. Waouh. Alors, paf. Tac. Votre numéro de téléphone, c'est pas pour vous draguer, c'est pour vous l'envoyer. Ça marche, 41-53. Tac, tac, tac. 41-53. On s'est pas déjà croisé, nous ? Oui, dans une boutique le soir très tard. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est bien ça. Oui. J'ai bien l'impression. Oui, mais c'est bien ça. Ah oui, oh, c'était gênant. Oh, bon, fui. Non, pas vraiment. Vous oui, il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas d'heure. Oh, il n'y a pas d'heure. Ouais, bah non. Alors, du coup, je dois modifier ma note. Ah. T'inquiétez pas, ça va très vite. Oui, bah. Nous sommes le 29. Tout à fait. Nina Kazarov. Tac, mettre à jour. Tac. Bon, ça va bientôt arriver par voie SMSR. On va pouvoir y aller. Hein. Super, bien mon GSM, bon soir. Tac, merci. Ah. Pourquoi votre collègue il a un gilet jaune et il fait la circulation? Non, il s'est fait bizuter en tant que cadet. Ah, d'accord. Il vient d'arriver. Il est ah, bon, bah, c'est pour ça. Non, c'est de la décoration. Hein. Ah, ouais. Ouais, d'accord, ok. Je vous crois. Ouais. Super, merci beaucoup. Et voilà, la très bonne soirée à vous. Bonne soirée, force et honneur. Bon courage, vive les médecins. Bien sûr. Oui. Allez, vive. Ouais. Bah, ça c'est fait. Merci pour le flow, Léo Dagon. Bienvenue. Ok, ça c'est fait. Bon, ça m'angoisse. Je le fais pas maintenant, je le ferai demain. Demain, en bonne vainqueur. Je le fais demain. On sait, ça s'ouvre. Je suis tout cassé, vous avez rien vu. Vous avez rien vu, d'accord. Est-ce que vous avez vu un truc? Pas moi. C'est marrant, je me mettais toujours là avec Blossom, une honte. T'as rien vu, t'as fermé les yeux, frère. C'est du consommable. Tu m'embrouilles pour un props. Bah non. Je sais que t'as rien vu, c'est tout. Tu fermes les yeux. J'ai foncé dedans, c'est pas grave. Je suis classe, hein. Alors, super. Lui, je sais qui c'est. LSPD. C'est RJ. C'est ça? Non, RJ? RJ, il m'avait dit? RJ. Oui, je l'ai rencontré un soir très tard à 3h du matin. 2-3h du matin dans un truc de vêtements. RJ. C'est ça, je crois. RJ. Je vous note. Oh, super. Voilà. Je l'enregistre. Hop. Parfait, hop. Moi c'est fait, nickel. Super, super. Elles sont trop belles
les bottines. J'aime beaucoup. Par contre, je suis dégoûtée. Bah, du coup, il faudrait que je trouve... J'ai envie d'aller changer mes cheveux. Ils vont pas rentrer dans le masque. Je vais pas changer de cheveux à chaque fois que... Je vais faire des dingues, si. Oula ! Mais qu'est-ce que... On change tes cheveux ou on change pas tes cheveux ? Demain ? Demain on change tes cheveux ? Tu vois, moi dans la nuit, je viens de changer les cheveux. C'est pas grave. Bon, allez. Hop. Ça suffit ! Les bêtises. Hop là. Ça suffit, ça suffit. C'est bon.